Et je viens de me faire un café. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 22 décembre, déjà, je crois que tous les jours je vais dire déjà, mais ça passe tellement vite. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous prends en début d'après-midi. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait du montage et après j'ai regardé des vidéos. Et voilà, je me suis reposée, tranquille. J'ai pris mon temps. Programme du jour, pas ouf. Je vais pas vous mentir que là, de toute façon, à part peut-être demain, on va aller acheter des petites choses de dernière minute. Et le 24, où on va tout préparer pour Noël. Enfin, tout préparer. Les 2-3 petites choses que j'ai à faire en nourriture. Sinon, ouais, je vous avoue que là, je suis un peu à court de choses à faire. 24 jours, c'est long, et donc là c'est un peu à la fin, donc voilà. Aujourd'hui je pense qu'on va faire un peu de rangement, surtout parce que c'est vrai que je me suis tellement consacrée au vlogmas que tous les jours filmer, monter, tout ça, ça prend du temps, et à côté forcément il faut que je range mon appartement, que je le nettoie, tout ça. Donc donc il y a des petites tâches comme ça qui ont été un peu mises de côté. Donc on va faire un peu de rangement, surtout niveau dressing et chambre, parce que la chambre c'est vraiment le bazar. J'étais vraiment hyper énervée ce matin parce que en fait, attendez, je vais vous poser. J'ai commandé un cadeau à mon copain et j'attendais de recevoir le message comme quoi il était livré ou où il en était. Et en fait je recevais rien. Du coup c'était un peu bizarre et le délai de livraison était passé. Donc je me suis dit bah je vais appeler directement le service client. Et un gentil monsieur me répond que en fait il y a eu un petit souci. Que lorsque j'ai commandé il y avait un problème dans les stocks. Et qu'en fait l'article que j'ai commandé n'était pas en stock. Sauf que moi j'ai reçu à aucun moment un mail pour me dire comme quoi la commande était annulée. Ou que j'allais être remboursée ou quoi que ce soit. Enfin, le minimum c'est quand même de prévenir. Ce qui fait qu'on est à 3 jours de Noël et que du coup bah j'ai pas de cadeau. Enfin j'ai autre chose, mais ça c'était le cadeau principal. Du coup je l'ai vite recommandé en catastrophe ce matin. Mais je sais pas s'il y a toujours vraiment du stock cette fois ou si c'était encore une erreur. Enfin bon, je pense pas qu'ils vont faire deux fois la même. Je pense pas qu'ils vont faire deux fois la même erreur quand même. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée. Généralement on aime beaucoup faire les cadeaux de Noël, mais c'est vrai que les cadeaux de nos conjoints c'est un peu bah ce qu'on attend le plus quoi, mais là c'est un peu foiré quoi, donc je suis un peu dégoûtée, surtout que j'avais vraiment envie de tout bien ranger, tous les papiers cadeaux, les trucs, histoire que ce soit fini, parce que là ça traîne encore sur la table au salon. Mais vu que bah j'ai pas emballé tous les cadeaux, je vais venir mettre un peu d'huile dans mes cheveux. J'ai décidé que j'allais pas les laver jusqu'à samedi, encore 2 jours, parce que, en fait je les ai lavés quand? Je les avais lavés cette semaine, et que là si je les lavais, j'allais devoir les relaver samedi pour Noël, parce que j'avais envie d'avoir des jolis cheveux qui venaient d'être lavés. Donc je me suis dit, ça sert un peu à rien de les relaver pour 2 jours et après les relaver, autant les laisser au max du max. Et puis comme ça au moins on fera un bon shampoing. Donc c'est pour ça que là je vais un petit peu venir les hydrater. Je sais toujours pas comment je m'habille pour Noël. Dites moi vous comment vous habillez. Et qu'il y a des gens qui font un peu genre le 24 un peu traditionnel, en mode gros pull, vraiment le petit repas de Noël à la maison. Et le 25 où ils font un peu plus festif. Il y en a qui font les deux. Enfin dites moi vous comment vous faites. Moi c'est vrai que j'aime bien être bien habillée pour le réveillon de Noël, 24 au soir, et pareil le 25. Je trouve que c'est un peu l'occasion pour sortir les jolies pièces à paillettes, les trucs comme ça, même si
c'est aussi pour le nouvel an. Mais moi j'aime bien. Donc je sais pas trop. Je crois que j'ai envie de mettre mon pull Zara avec les petits strass là. Et je sais pas trop si je mets ma jupe pailletée. Ouais, je sais pas trop quoi mettre encore. Normalement, je vais avoir un cadeau de Noël qui va être incroyable. Par contre, je sais pas quand je l'aurai. J'aurais bien aimé l'avoir le 24 pour pouvoir le porter le 25. C'est quelque chose que j'ai demandé à mon chéri. Normalement, je sais que je les ai parce que en fait, je suis tombée dessus sans faire exprès. Enfin, je les ai pas vus, mais je suis tombée sur la boîte. Il était là. Et du coup, c'est une paire de chaussures à talons. Un peu style Versace. Vous savez, il y a très tendance avec la grosse plateforme, le gros talon. Mais elles sont noires, pailletées. Elles sont magnifiques. Je ne peux même pas décrire comment elles sont belles. Donc peut-être que bientôt je les aurai à mes pieds. Je vous avais dit aussi que je devais recevoir des capsules pour les ongles que j'ai toujours pas reçues. Alors j'espère que je les aurai demain ou après-demain. Demain. Parce que après-demain on est le 24 et je pense pas trop avoir le temps de faire mes ongles. Et du coup c'est un peu pénible parce que je sais pas quoi faire. Je me dis est-ce que je fais juste mes ongles en semi au cas où je les reçois pas. Mais si je les reçois et que j'ai déjà fait mes ongles en semi, il faut tout que j'enlève. Donc je pense que je vais encore attendre demain. Et si demain j'ai rien, je ferai mes ongles. Parce que j'ai envie d'avoir les petites paillettes sur les doigts. Bon, je reprends, il est un peu plus tard, j'ai fait un petit peu de rangement vite fait, du coup j'ai pas filmé. Et il commence déjà à faire nuit. Je vais faire une séance là de Pamela Ref, séance de sport, je sais pas trop ce que je vais faire. Lundi j'ai fait pilates comme je vous avais dit, et mardi j'ai fait deux séances, standing abs et standing legs. En gros c'est du sport mais debout. En fait avec mon copain on faisait notre séance en même temps. Il avait besoin du tapis. Donc moi j'ai trouvé ça, en fait vous êtes tout le temps debout. Et c'était pas mal, franchement j'ai grave transpiré, c'était plutôt cool. Donc là je sais pas, je vais voir ce que je fais. Je sais pas trop, pas un truc trop long non plus. Et voilà, j'ai pas fait grand chose de la journée. C'est le moment de bouger un peu ce corps. Donc c'est parti. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Franchement trop bien. Du coup j'ai fait 10 minutes abdos et 10 minutes booty activation avec les bandes. Trop bien. Je me suis demandé si j'ai encore un coton dans l'oreille pour mon piercing. Franchement trop bien. En parlant de piercing d'ailleurs, j'ai changé mon piercing au nombril. J'ai mis un petit anneau comme ça. Je sais pas encore si je le change parce que j'avais l'impression que ça me gênait un petit peu. Vous voyez, il ressort. Donc je sais pas trop, mais je suis contente par contre, on commence à avoir mes abdos. Bon bien sûr il y a la lumière là qui joue en ma faveur. Je vais pas aller à la douche tout de suite, je vais en profiter, je vais attendre vraiment de tout évacuer. Là je vais me boire un bon petit verre d'eau avec du citron, ça va me faire du bien. Un bon petit jus de citron. Et je vais commencer à mettre en ligne la vidéo. We'll be right back.
plus tard douchée en pyjama. Et j'avais trop faim ce soir. Et quand j'ai faim et que j'ai un peu la flemme, je me suis brûlée. Je me fais des pâtes avec du parmesan et un jaune d'œuf. Et franchement, c'est trop bon. Je pense que je vais manger un petit bout de jambon avec mes pâtes. Et voilà, le vlog d'aujourd'hui n'était pas très long, je suis vraiment désolée. On se retrouve demain, ce sera sûrement plus intéressant, je l'espère. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt, enfin à demain.